Bon, je pense qu'il est temps pour moi de m'expliquer sur ce qui est sorti sur Facebook. Parce que je pense vous comme moi vous êtes surpris. Donc voilà. Je vais expliquer. Hakim, c'est une personne que j'ai rencontrée lors des tournages 24 heures avec un people. Donc il est venu me chercher, il m'a demandé ce que ça dit de faire 24 heures avec un people, j'ai accepté. De là j'ai fait 24 heures avec un people. Il m'a payé 400 euros. Ce qui est la vérité, il m'a payé pour faire 24 heures avec un people, je vais pas mentir. Comme il paye toutes les personnes qui font. Première chose, déjà il dément payer les personnes qui font 24 heures avec un people alors qu'il les a tous payés, que ça soit Flo, que ça soit Jazz, que ça soit moi. Il devait faire Oussama et Farid. Oussama et Farid, il devait les payer. Il a eu des embrouilles avec eux parce qu'il devait les payer. Il a décalé plusieurs fois le tournage, il les a jamais payés. Et du coup, forcément, ils se sont embrouillés avec lui. Donc, que ça soit Itch et moi, on s'est mis dedans pour l'aider parce qu'on a vu qu'il n'était pas bien. Moi, après les 24 heures avec un people, c'est une personne avec qui je me suis bien entendu. Donc, franchement, je l'ai pris comme mon frère. On est allé l'aider, on était là pour l'aider. Finalement, je vois ce qu'il fait. Finalement, quand je vois ce qu'il fait, j'aurais peut-être pas dû. Alors, ensuite, concernant les messages, les 30 000 euros et ces histoires d'argent. Déjà, faut savoir que plusieurs fois, quand j'étais à Marseille, il m'a demandé de venir sur Paris parce qu'il n'était pas bien. Il m'a demandé de venir l'aider. Il m'a demandé de l'aider avec certaines personnes parce qu'il avait des histoires. Il y a énormément de personnes, depuis que l'article est sorti, qui sont venues m'envoyer des messages en me disant que c'était pas la première, j'étais pas la première personne à qui il faisait ça, qu'il avait déjà fait ça avec une prof à Rouen, qu'il l'avait escroqué. Il lui avait dit oui, je t'envoie des sous, je te passe des sous, je te passe des sous, je te passe des sous. La personne en avait besoin, donc elle a accepté. Et au final, il lui a porté plainte et la personne s'est retrouvée dans la merde. Me concernant, ce qui s'est passé, c'est simple, la chose suivante. Moi, j'étais sur Paris avec Itch et un pote à moi, qui pourront confirmer d'ailleurs ce que je vais vous dire dans le prochain snap. Il m'avait déjà parlé de sa maman, il m'avait dit qu'il y a des problèmes avec beaucoup de personnes parce qu'ils essayaient de l'escroquer, essayaient de lui prendre son argent. Je lui ai dit que moi, j'allais être là pour lui et j'allais l'aider. Et c'était vraiment mon intention et c'est vraiment ce que. Et à chaque fois que je l'aidais, il me disait tiens, je te passe des sous, je te passe des sous, je te passe des sous. Moi, je disais non, 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 j'en veux pas, non, j'en veux pas, non, j'en veux pas, non, j'en veux pas. Mais le problème, c'est le suivant. Que quand une personne vous dit mille fois, tiens, je te passe, je te passe, je te passe, et que toi, tu refuses mille fois, trouvez-moi une personne qui, au bout de ces mille fois, n'acceptera pas. N'acceptera pas. Donc, oui, c'est vrai. Il m'a dit je vais te passer, je vais te passer, je vais te passer. À un moment donné, j'en ai eu marre de refuser. Donc, je lui ai dit bah, vas-y, envoie. Bah, envoie-moi les sous alors que tu me l'as passé. Et finalement, il m'a jamais rien envoyé. Donc il a insisté là, c'était pour m'envoyer, il a insisté pour m'envoyer. Donc moi j'ai accepté, j'ai dit bah vas-y envoie-les-moi. Je vais passer mon adresse. Donc je lui ai dit envoie-moi, bah vas-y vu que tu veux me les envoyer, envoie-les-moi, j'attends. Et comme de par hasard, il n'a jamais rien envoyé. Donc je lui ai dit, comme on voit dans les messages, au lieu de parler et dire des mythos, arrête de dire n'importe quoi et arrête de promettre des choses aux gens si tu les fais pas. Et comme de par hasard, il n'a jamais rien envoyé. Donc je lui ai dit, comme on voit dans les messages, au lieu de parler et dire des mythos, arrête de dire n'importe quoi et arrête de promettre des choses aux gens si tu les fais pas. Donc c'est facile de se faire passer pour une victime, de dire oui, tout le monde m'a escroqué, tout le monde m'a escroqué. Mais Hakim, je sais que tu vois ces snaps. Et toi, t'es un très très gros manipulateur. Parce que quand t'étais là à me dire oui, lui il veut me taper, Lagdar s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, Lagdar, aide-moi. Quand tu me disais je sais plus quoi faire, putain, je suis au bout, j'ai envie de me suicider. Qui c'est qui était là pour toi? Quand t'avais des embrouilles, qui c'est qui était là pour toi? Tu me dis je suis à l'hôpital à cause d'Intel, parce qu'il m'a acharné. Quand t'étais à l'hôpital d'Intel, qui c'est qui était là pour toi, mon pote? Quand t'étais en train de. T'as failli te faire taper, qui c'est qui t'a défendu? Donc ouais, j'avoue, mon erreur, ça a peut-être été quoi? Vu qu'il a insisté pour me donner. À un moment, j'ai dit, bah, envoie. Mon erreur, ça a peut-être été de dire oui, envoie. Finalement, tu m'as jamais rien envoyé. Donc de quel escroc? Donc oui, forcément, il y a des messages où je te dis, bah alors, t'en es où? Tu m'as dit, tu fais pas. Ouais, forcément, puisque tu m'as dit, je vais te donner. Moi, j'ai regardé pour voir jusqu'à où t'allais aller, si t'allais me les envoyer ou pas. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as jamais rien envoyé. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas touché un centime de ta part, Hakim. Pas un centime. Et si tu veux, je sors même mes relevés de compte, je sors tout. Ouais, tu dis, tu donnes du cash, forcément. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à accuser avec du cash. Parce qu'avec du cash, personne ne sait rien. Et vu que t'es tout mignon, tout gentil, tu viens de perdre ta maman, forcément tout le monde va se mettre. Et je me rappelle d'une chose. Quand tu me disais, je suis à l'hôpital parce qu'il y a un mec qui a une sextape de moi. Il y a un mec qui a une sextape de moi, il me demande des sous tout le temps. Il me demande des 3000, 4000 euros. Combien de fois je t'ai dit, donne-moi, je l'appelle, donne-moi, on va le voir, je vais le monter en l'air. Et tu me disais jamais non. Tu me disais jamais oui, pardon. Tu me disais, non, non, appelle-le pas, ça sert à rien, je vais lui donner les sous, c'est pas grave, mon frère va me taper. Je comprends mieux en fait cette histoire. Je comprends mieux. Juste en fait, essaye de nous prendre en pitié. Comme quand tu critiquais Jazz et tu disais ouais, Jazz c'est une connasse, c'est une salope parce que elle veut que je la paye pour son truc. Rappelle quand tu disais que Jazz c'était une salope parce que tu as fait 24 heures avec un people, elle t'a dit non, je veux pas que tu me payes. Et quand elle a vu que tout le monde s'était fait payer, forcément elle a demandé ses sous. Et tu lui as dit non, je t'envoie pas, non, je veux pas. Et que tu m'as dit Lagdar, ça. Lagdar, rappelle Jazz, dis-lui s'il te plaît que ça se fait pas. Elle m'harcèle mentalement, je suis pas bien. Tu te rappelles quand tu me disais ça, Hakim? Moi je m'en rappelle très très bien. Très très bien, je m'en rappelle. Très très bien. En gros, tu veux me faire passer pour un escroc, alors que je connais maintes et maintes personnes à qui tu as promis des choses. Tu leur as dit, je vais te donner de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça, pour au final les enquêter.
Donc Jerem Star, il fait son article, c'est pas grave, c'est son travail. C'est pas grave. Par contre, Hakim, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tu te rappelles quand tu voulais que je te pistonne pour faire de la télé? Quand tu me disais, Lagdar, s'il te plaît. Lagdar, s'il te plaît, pistonne-moi pour la télé, pour la Villa des Cœurs Brisés 3. Je sais qu'il va peut-être y avoir Sacha. Alors, s'il te plaît, Lagdar, laisse-moi le rencontrer. J'aimerais trop, c'est trop mon style de mec. Tu dis que je t'ai escroqué. C'est pareil. Si j'étais vraiment un escroc, quand on était à l'unisex, avec Miss Paris, avec Itch, avec Damien et toutes ces conneries-là, quand on a payé l'addition, si je voulais vraiment t'escroquer, j'aurais les ch. Qui c'est qui a payé? C'est moi, c'est pas toi. Eh ouais, mon pote. Combien de fois j'étais sur Paris, je devais rentrer chez moi. J'ai pas pris beaucoup de thunes avec moi. Et tu me disais, non, je suis pas bien, s'il te plaît, Agda, reste, reste, s'il te plaît. Et que moi, j'avais pas de thunes sur moi, mais j'ai quand même pris l'hôtel. J'ai quand même pris mon billet de train le lendemain, juste pour toi, parce que t'avais besoin de moi. Et au final, tu me disais, oui, Lagdar, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste, faut qu'on parle et tout, il y a un mec qui te veut du mal. Moi, je restais pour t'aider parce que t'étais comme mon petit frère, comme mon petit frère. Et je t'aimais beaucoup. Et au final, tu venais pas. Et tu me laissais. Donc, c'est facile de dire que je me sers de ma mère pour gratter de l'argent. C'est facile de dire ça. Sache que ma mère, gros, c'est toute ma vie. Et peu importe ce que tu fais, ça changera rien. Sache une chose, Hakim. Sache une chose, la roue, elle tourne. Tu peux faire croire à tout le monde que t'es la victime dans l'histoire. Mais toi, tu sais très bien. Tu sais très bien ce qui s'est vraiment passé. Tu sais très bien. Moi, à la base, c'était vraiment d'une. J'étais vraiment sincère avec toi, t'étais censé être mon pote. Et quand ce matin, tu te rappelles ce que tu m'as envoyé? Tu te rappelles ce que tu m'as envoyé ou pas? Tu m'as dit, Lagdar, excuse-moi, je sais très bien que toi, t'as rien à voir dans cette histoire. Tu te rappelles, avant que Jérém fasse l'article, que tu m'as dit ça. Je sais que t'as rien à voir dans cette histoire, viens, on se voit que les deux, on parle. Tu m'as dit non, on se voit que les deux. Quand je t'ai dit comment ça, tu m'as dit que nous deux, on se voit et que personne. Je veux que personne soit au courant. Et que je t'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas gay, moi. Moi, j'aime les femmes. Donc, tu m'as répondu, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste que t'es mon ami. Ton ami. Et ton ami, tu le fais passer pour un escroc. Un gars qui a fait des kilomètres pour venir te voir, pour t'aider. Un gars qui t'a défendu. Un gars qui a fait je sais pas combien de kilomètres pour venir te voir, qui est resté sur Paris je sais pas combien de jours parce que t'avais besoin de lui et qu'au final t'es pas venu. Tu parles de ce mec là? D'ailleurs, en parlant de ça, combien de personnes sont venues me voir en me disant, ouais, Hakim il m'a dit, tiens, je te passe des sous pour des projets, je te passe des sous pour des projets, pour ceci, pour cela. Tous les gens que t'as fait passer pour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu le sais très bien, à qui t'as dit, ouais, tiens, je te passe des sous pour des projets et tout. Moi, ma connerie, ça a été de dire, ouais, bah vas-y, envoie-les-moi un peu, j'en ai besoin. Ça a été ma connerie, c'est vrai, je l'avoue. J'aurais peut-être pas dû. Mais en tout cas, quand quelqu'un insiste, forcément, à un moment donné, on cède. On est humain. Et je l'avoue, ça a peut-être été ma connerie. Maintenant, j'ai jamais rien touché. J'ai pas touché un centime de ta part. Tu n'as jamais payé personne pour tes 24 ans à Capipol, alors que tu as toujours payé tout le monde. La seule personne qui a refusé, c'est Jazz. C'est tout. Tu as payé tout le monde, et tout le monde en espèce pour rien avoir. Maintenant, voilà, pour moi, l'histoire est close. Mardi, je ferai une interview avec Sam Zira où j'expliquerai tout en détail. Mais tu sais très bien que j'ai pas touché un euro de ta part, Hakim. Et tu le sais. Tu fais croire des choses à des gens, tu te sers des gens, tu utilises des gens pour arriver à tes fins, tout simplement parce que je vais te le dire, t'es juste une groupie de télé, et tu le sais, Hakim. Tu dis que moi j'utilise ma mère, mais toi tu utilises la mort de ta maman pour avoir la confiance des gens. Une fois que t'as la confiance des gens, tu t'en sers pour pouvoir te retourner contre eux et gratter de la thune. Ça, tu veux. Un exemple tout simple, moi, c'est ma parole contre la tienne, toi t'as des messages. Mais moi, tellement que j'étais sincère avec toi, j'ai rien enregistré parce que je te faisais confiance, j'ai rien enregistré parce que j'avais rien à cacher, tout simplement. Toi, pour prouver à quel point t'es vicieux, t'as fait des photos, des messages, t'as même pas screen, t'as fait des photos. Et je me pose une question d'ailleurs dans les messages à qui me pose une question. Tes captures d'écran, on voit que mes messages à moi. Mais toi, ce que tu me dis, ils sont où? Ils sont où ce que tu m'envoies, Hakim? Parce que moi, certes, j'ai aucun screen, c'est vrai. C'est ma parole. Et j'ai jamais fait de mal à personne. Jamais de ma vie, j'ai fait de mal à personne. Et jamais de ma vie, j'ai fait ça. Et devant le bon Dieu, je jure que j'ai jamais fait ça. Toi, t'es tellement mesquin que t'arrives à faire ça. Et tu me dis, sous Rouen, tout le monde essaie de t'escroquer. Pas du tout. Je viens d'apprendre que sous Rouen, en fait, t'as escroqué plein de gens. Et que c'est pour ça que tu mets plus les pieds là-bas. À combien de personnes t'as fait croire que t'allais les aider dans des projets, que t'allais. Et qu'au final, tu t'as rien fait, Hakim. Tout simplement parce que ton rêve, c'est de faire de la télé. C'est de faire de la télé. Et ça m'a. Bonne chose, c'est que peut-être grâce à ce que t'as fait là, moi, je ferai plus de télé. Je ferai plus de télé. Mais c'est pas grave. Parce que je sache une chose, c'est que moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour montrer ton. Maintenant les amis, je vous laisse croire ce que vous voulez. Vous voulez m'haïr, vous voulez m'insulter, c'est votre problème, il n'y a pas de souci, j'accepte. Même si j'ai rien à voir, j'accepte, il n'y a pas de souci. Parce que vu l'article, si je suis comme vous, j'ouvre l'article, je me dis, ah ouais putain Lagdar, c'est un enculé, c'est pas mal ce qu'il a fait. Sachez une chose, c'est que moi je dors tranquille et j'ai rien à me reprocher. Si ce n'est juste la seule chose que j'ai à me reprocher peut-être, c'est d'avoir dit ouais bah envoie-les-moi. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Et si j'avais pas dit ça, peut-être que j'aurais pas eu tous ces problèmes. Maintenant, personne n'est parfait, tout le monde est humain et tout le monde fait des conneries. Donc ceux qui veulent me détester, ils me détestent, c'est pas grave. Ceux qui sont de mon côté, je vous en remercie de la force que vous m'apportez parce que c'est vrai que c'est très dur, je vous dis la vérité. C'est très très dur à surmonter des trucs comme ça.
de faire attention, vraiment, vraiment. Parce que ça vous touche pas, ça me touche pas tout seul. Ça touche ma famille, ça me touche moi. Et c'est très compliqué à vivre, et je vous le dis les amis, c'est très très dur. C'est facile de faire croire aux gens, ouais j'ai des projets propres pour toi, j'ai des idées pour toi, pour les avoir dans ta poche et au final les niquer. C'est facile de faire ça, Hakim. Mais c'est pas la vérité. Non, j'espère juste que tu arrives à dormir sous tes deux oreilles, que tu arrives à être bien malgré ce que tu as fait. Ça, une chose, c'est que tu as réussi à me toucher. Mais je me relève toujours, Hakim. Ce qui est grave, c'est que même certains de tes proches m'envoient des messages en me disant que ouais, fais gaffe à Hakim parce qu'il a déjà fait ça à des personnes et c'est déjà servi de personne pour faire du buzz. Au fond, ce que tu cherches, c'est le buzz, Hakim. C'est le buzz que tu cherches. Regarde, t'as fait ça avec plusieurs personnes. Tu m'as demandé de te bide dans la télé. Tu m'as dit de moi pour mon projet, s'il te plaît, partage tout, partage. Tu m'as envoyé des captures d'écran de ta page Facebook, de ton Snapchat, de ton truc dans la Capital People pour que je partage. Ah, t'avais besoin de moi. Moi, j'étais là. Je t'ai jamais dit tu abuses de ma petite notoriété pour t'aider. Ah, tu me dis que parce que t'as un peu d'argent, je t'escroque, mon pote. Moi, je viens de la galère. J'ai toujours été dans la galère. J'ai besoin de personne pour m'en sortir. Avant tout le monde, que ça c'est clair. Ouais, ma mère, elle est malade. Ouais, elle a des problèmes de santé. Mais je me suis toujours démerdé tout seul avec mon père et mon petit frère pour m'en sortir. Et j'ai jamais besoin de toi. La seule chose que j'ai fait, j'ai accepté. Je t'ai dit oui. J'ai été bête. J'aurais pas dû dire ouais, bah vas-y, envoie-les-moi. J'aurais peut-être pas dû. Ça m'aurait évité de m'embrouiller avec Jazz, une personne que j'aime vraiment. Que j'aime vraiment, que je porte dans mon cœur. Ça m'aurait évité de m'embrouiller avec. Ça m'aurait évité d'avoir toutes les insultes que j'ai là. Toutes les insultes que je subis depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, Hakim, à cause de toi, je me fais insulter tous les jours. Comme on dit chez moi, en plus, période de Ramadan, Yarbi, il est grand. Il est très très grand. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Maintenant, moi, je vous laisse, les amis. Faites votre propre avis. Je vous fais des gros bisous et je vous.